Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de Murdered Soul Suspect. Alors on s'était arrêté ici, alors oula oula. Donc on s'était arrêté au niveau des indices, où il fallait que j'examine tous ces indices. Et donc je devais regarder la liste. Alors on va aller regarder R pour procéder. T pour voir. Voilà. Voir au travers des yeux des vivants vous permet d'obtenir d'importantes informations et d'avancer dans l'enquête. Confirme. Alors, fais voir. Qu'est-ce qu'il a découvert sur mon assassin? Apporter le rapport de la police scientifique à Rex au plus vite. Locataire disparu, Cassandra Joy. Les armes retrouvées appartenaient à Ronan. Ok. Voir. Aucune arme trouvée, donc ils n'ont trouvé aucune autre arme sur les lieux et il m'a abattu avec ma propre arme parce qu'il n'en avait pas. Ok, ouais, c'est bien. On voit de suite. Bon, quitte l'autre. On voit de suite qu'ils sont super intelligents, hein, ces policiers. Enfin, que je suis super intelligent. Ouais! Alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi. Posséder. Madame, ok. Fais preuve de patience. Elle est sous le choc. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de scène. D'accord. Bon. Posséder celle-là, ok. Q, suggérer. Qu'est-ce qui pourrait l'inciter à parler de ce qu'elle a vraiment vu? Ah oui, Q, c'est A, hein, puisque j'ai changé les touches du clavier. Alors, arme du tueur. Voir. Le tueur s'est servi de ma propre arme contre moi. Pourquoi n'était-il pas armé? Quel est l'indice le plus pertinent? Hein? Je comprends rien. Je n'ai pas le bon indice. Ok, bon, bah on va quitter. Ok. Espionner. Témoin a appelé, il avait vu plusieurs rentrer dans le bâtiment. On a une chance en scoutant les renforts. Je connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des étanches. Et bam. C'est pas le temps qu'il fait. C'est des enfoirés quand même. Tu ne sais jamais quand t'arrêter, hein, Baxter. Enfin, c'est un enfoiré. Tous ces trucs de gang et de tollard, c'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue crétin. Ah, merci, Beau Black. Tiens, je vais posséder lui là. Non, je peux pas. Ouais, c'est ça. Ça sert strictement à rien. Votre capacité à influencer le témoin dépend des indices en votre possession. Ah, je peux posséder là-bas. Ah, mais je peux sortir de la zone. Ok. Je croyais que je pouvais pas. Concentre-toi sur les impersonnables. Oh, en fait, je peux pas aller plus loin. Lire dans les pensées. Le meurtrier ne reviendrait pas sur les lieux, si. Ah, ça serait cool, hein. Heureusement que je n'étais pas là quand ça s'est produit. Foiré! Tu pourrais nous aider, non? Quand je parle de ça, les autres croient que je suis dans un film. En même temps, qu'est-ce que t'en parles? Genre, la meuf, elle est interrogée par un flic, mais elle téléphone en même temps. Ouais, il y a eu un meurtre! Oh, c'est marrant! Et les flics, ils font rien. J'ai deux indices. Lire dans les Garde son calme. La police doit garder son calme. Je suis content de pas être flic.
C'est inutile. Comment on est censé garder notre calme alors qu'ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes? Waouh! Mais ça balance! Mais non, mais on se protège. Ah, la journaliste. C'est pas ça que je veux faire. Lire dans les pensées. Bon, toi, tu t'en fous carrément. Pourquoi refuse-t-il de parler? Un peu de publicité ne leur ferait pas de mal, pourtant. Ah, c'est journaliste. Bon, alors, voyons voir les indices ici. Examinez. Ah, oh, ma clope. Je peux pas la fumer, moi. S'il vous plaît, je veux fumer la cigarette. Examinez. Ah, mon flingue. Mon arme de secours. Ah, c'est carrément une arme de secours. Tueur sadique. Ok, cela d'indice. Allez, morceaux de verre. Brisé. What? Les indices découverts au corps de l'enquête sont répertoriés ici. N'hésitez pas à les consulter régulièrement pour vous rafraîchir la mémoire. Bon, j'ai oublié déjà. Hein, du verre brisé tombé de la fenêtre, d'où le tueur m'a jeté. Tabassé, jeté par la fenêtre, puis abattu, ce tueur mystérieux voulait vraiment ma mort. Je n'ai pas été tabassé, qu'est-ce que tu racontes? Mon arme de secours pour ce qu'elle m'a été utile. Ma dernière cigarette, je peux enfin dire que j'ai arrêté, plus ou moins. C'est vachement drôle. Le tueur s'est servi de ma propre arme contre moi, pourquoi n'était-il pas armé? Je suis venu ici en réponse au coup de fil d'un témoin qui affirmait avoir vu le crieur des morts dans le parage. Ouais, ok, rien d'intéressant. Et ça, j'ai pas. Tué par mon propre flingue. Ouais, enfin, ça, on le savait. Le tueur m'a tiré dessus plusieurs fois ouvertement en pleine rue. Ok. Bon, voilà, j'ai plein d'indices maintenant. Suggéré. L'indice. Ah, ouah, j'ai trois essais en fait, d'accord. Alors. Ma mort. Bon, on va essayer ma mort. Est-ce que c'est pas ça, ça c'est... Ah, crieur des morts, ah ouais. C'est peut-être ça. Oui, je l'ai vu. Ah, voilà. L'homme à la capuche. En bas. Il levait la tête. Il regardait en haut, le quatrième étage, je crois. En haut, le quatrième étage. Un témoin suppose que le tueur se rendait à l'appartement du dernier étage dans un but précis. C'est pas le quatrième étage. Terminer l'enquête. Je suis en train de fumer là, donc c'était pas ma dernière clope. C'est la cigarette fantôme, celle qui ne s'arrête jamais. C'est cool, on va pouvoir fumer jusqu'à la fin en fait. 1, 2, 3, moi je vois 3 étages, pas 4e. Moi je vois pas le 4e étage. Non, il a ouvert. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stewart à l'intérieur. What? Mais c'est un fantôme! Pardon. Mais est-ce que je vais devoir attendre que quelqu'un m'ouvre à chaque fois? Ouais, c'est difficile d'entrer dans un bâtiment consacré. Mais une fois à l'intérieur, c'est du ghetto. Pareil pour en sortir. Il suffit de trouver une fenêtre ou une porte ouverte. Un jeune enfant. Ouais, donc si la maison elle est inhabitée, je suis dans la merde. Par ici? Ok, oui. Et pas qu'un peu. Vous vous habituerez. Merci. Ok. On va rentrer. Appartement, allez. Oui. Haha! Il a eu des frissons. Sergent, RAS, retournez sur les lieux du crime. Ferme pas la porte, hein? Merci.
Non ! Non ! What ? Qu'est-ce que... C'est quoi ça ? Oh mon Dieu ! Ah, c'est que toi. Je me disais bien aussi. C'est que... Mais tu, on se connaît ? Attends-moi ! On se connaît ? Oh ! T'es qui ? T'es qui là ? T'es qui là ? T'es qui là ? Tu veux que je fasse une deuxième crise cardiaque ? Non, je voulais. C'était pas sérieux, voyons. Allez, fais pas cette tête. Balade-toi, c'est quoi ? Tu peux fouiner un peu. Personne va t'en empêcher, tu sais. Oh, imaginez, c'est vrai. On est là en train de prendre notre douche et il y a des gens qui nous regardent. Waouh, c'est chaud. C'est flippant. En même temps, je sais pas, si t'es mort, tu vas pas faire le pervers, je pense. Si ? En remarque, je suppose qu'il y en a plein qui le feraient. On va fouiner. Je suis sûr que t'as vu tout ce qui s'est passé et que tu vas faire ta maligne. Toujours le nez à la fenêtre, à fourrer ton nez dans les affaires des autres. J'ai tout vu, et ça va me donner des cauchemars. Je crois qu'on a assez de cauchemars pour un beau bout de temps, tu vois. Ne me parle pas de ça. Je t'interdis de me parler de ça. What ? Moi, j'essaie de regarder mon émission, tu vois. Mais de quoi il parle ? Lire dans les pensées. Regardez par la fenêtre. Mais quel est l'intérêt ? Ok, bon, on va posséder elle. Mais regardez-moi ce minable. Il ne bougera pas de ce fauteuil, non ? Il l'aime plus que moi. Ce couple ! C'est le couple cliché, là. Ah, c'est fou. Ouah ! Qui c'est ? Oula. What ? J'espère dire, à chaque fois qu'on vient voir Jennifer dans ce trou, c'est toujours le même manège. Cette autre fille-là, au deuxième étage, elle change de petit copain comme de chemise. Et mon Dieu, quel sauvage ! Ah, la salope ! Je sais combien ça t'énerve, chérie. Mais moi aussi, je fais ça. On dirait qu'il cherche à réveiller les morts. What? Et bien, ça a besoin de plus d'amis. Mais quelqu'un qui puisse l'écouter aller. Ah, c'est moi, ça. Les morts leur donnent le feu. Oui. Vivement que Jennifer s'en aille de ce tenu. Ouais, vivement qu'elle dégage. Hein. Bon, c'est un peu dur à contrôler, Yannick, mais c'est qui cette personne-là ? Pourquoi il y a... On peut pas la voir de face ? J'ai envie de la voir toute nue. Ah non, on peut pas la voir de face, non, elle est toujours de dos. C'est la meuf, tu vas... Elle te tourne le dos, aucun respect, elle s'en fout. Oh, il y a quelque chose là. C'est quoi ? Aucune idée. Ah, prendre. C'est pas facile à contrôler hein, quand même. Dossier. Il existe beaucoup d'objets à découvrir à Salem. Faites attention autour de vous lorsque vous explorez. Même le papier le plus banal peut révéler les secrets de la ville et de ses habitants. Ah, je m'en fous un peu, moi. Je veux savoir qui c'est mon meurtrier. Ici, vous pouvez quand même... Ok, s'en fout. Bien que la police ne soit pas officiellement prononcée sur l'existence d'un tueur en série et en raison d'une succession récente de décès, elle conseille aux résidents de ne pas quitter leur domicile la nuit et de verrouiller les portes. Ok. Putain, mais c'est grand ici. Ouais. C'est immense. Sortir. Non, je veux pas sortir. Ah d'accord, bah oui, c'est un appartement en fait. Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Révélé. Prendre. Obtenir 6 de plus pour un tombeau humide. What ? C'est marrant de pouvoir traverser les objets. Je ne comprends rien. Si je le retrouvais, je comprendrais ce qui s'est passé. J'ai cherché partout. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait ça ? Et si je devais ne jamais le retrouver ? Tu as l'air perdu. C'est pas moi. C'est mon corps qui est perdu.
J'ai été assassinée ici, et je sais que ça semble idiot, mais j'aimerais bien savoir où se trouve mon corps. Vous êtes un genre d'inspecteur, non? Ça se voit tant que ça. Je suis de la police, oui. T'as une idée de qui a fait ça? Ça serait un début. Le gars, même mort, et il continue à travailler. Quoi. Je me souviens qu'ils étaient vieux. Et je sais qu'ils vivaient dans cet immeuble. Mais à part ça, c'est le fou total. C'est vrai que je me droguais pas mal à l'époque. Bon, c'est... En effet, une enquête s'impose. D'accord, s'il y a des petites enquêtes comme ça, c'est que ça peut paraître cool, parce que... Enfin, faire sa propre enquête tout le long du truc et puis finir comme ça, ça risque d'être chiant. Donc, fais voir. Ok. Donc, ils étaient vieux. Alors, les vieux, c'est eux. Ah, voilà. Que savent-ils à propos du meurtre? Il faut chercher les réponses ici. Ok. Donc, on va chercher, hein. On voit mieux ce qui se passe à la télé. Peut-être que si je ne lui apportais plus la grignotée, il se prendrait où je suis passé. C'est quoi ce genre? Bon, pour l'instant, j'ai pas assez d'indices pour lui suggérer. On va regarder les indices. Salem serait victime d'un tueur. Là, il y a un petit point, je peux pas... Non, il n'y a rien. Non. Ah, c'est peut-être elle, non? Je ne trouve pas d'indice. Non. Je sais pas si vous en voyez, vous, des indices, hein. Et moi, personnellement, à part la lumière qu'il y avait là-bas. Ah, voilà. Examiner. Outils de jardinage. C'est des trucs qui ont disparu, ça, vous croyez? Des pelles, des gants, de l'engrais, hobby ou meurtre. Pourquoi je peux pas voir? Ah. Elle est persuadée qu'un vieux couple résident dans l'immeuble a assassiné. Je ferais mieux de me renseigner auprès des plus âgés. C'est quoi cette lumière? Ça m'énerve. Je veux trouver. Bon, suggérer. Faut que j'en apprenne. Que j'en apprenne plus sur la fille. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Bon, bah, on va voir le reste de l'immeuble. Hein. C'est peut-être pas. Il y a peut-être. Ah, voilà. Mot d'une voisine. Leur voisine a quitté la ville très précipitamment. Ils y ont peut-être quelque chose à voir. Bon, mais je trouve des trucs petit à petit. 2 sur 5. Mais je sais pas pourquoi il y a un truc ici. C'est bizarre quand même. Hein. Ce jeu est un peu spécial. On va suggérer mot d'une voisine. Choisir. Non. Bon. Alors vraiment, je vois pas du tout. Dans la salle de bain, il n'y avait rien. Il y a des trucs ici, hein. Je sais pas ce que c'est, mais il y a des trucs. Derrière la porte. Mmh.
Ah! Regardez par la fenêtre. Mais quel intérêt. Bon, c'est toujours la même chose. Donc là, on avait regardé peut-être un mot des voisines, je sais pas. Alors, je sais pas du tout ce que ça va faire. On va voir. Hein. On va voir si ça, ce que ça fait quand on s'est trompé trois fois. Cette fille s'est écroulée comme une masse. Ah ben, je me suis pas trompé. J'arrive pas à croire qu'elle est morte. Tout a été si vite. J'avais jamais vu de réseau si furace. La fatigue sûrement. Ah d'accord, c'est la vieille qui l'a tuée. Ah ah. Dieu merci. Je peux enfin mater la télé tranquille. Waouh, mais ce vieux. Et t'as pas la bière? Non. Ok, bon ben. Je crois que j'ai trouvé. Hop. Mais c'est pas cette fois qu'on va se tromper, hein. Ah, c'est pas ça. Ah bah si, c'est peut-être cette fois qu'on va se tromper. Ah bah bon. Raté. C'est interminable. Comment voulez-vous qu'on dorme avec la musique à fond? Waouh. Elle se drogue. Quand Walter l'a conduite à la carrière de Smithwick, il avait du mal à garder les yeux ouverts, tellement il était fatigué. Malgré l'heure, il a réussi à mettre la main sur les tenailles. Et maintenant, plus de musique. On peut enfin dormir. Mais c'est une ville de dingue, c'est fou. Mais du coup, pourquoi j'ai que 90? 1, 2, 3, 4, 5. Un, deux, trois, quatre, ok. Donc il y a un autre indice là. Oh. Alors il a trouvé une tenaille. Du coup la lumière a rien à foutre. Hein. Je vais aller voir la fille, peut-être qu'elle va me dire. Je vous souhaite de trouver vos réponses. Enfin, c'est les tiennes, nombre de réponses. Tu pourrais m'aider quand même. Oh, c'est fou. On voit mieux ce qui se passe à la télé. Mais... Alors, je sais pas du tout où c'est qu'elle a pu le mettre alors, hein, du coup. Hop là, j'ai trouvé un autre truc. Je sais pas à quoi ça sert, hein, obtenir 5 de plus pour découvrir l'histoire du tombeau humide. Ah, hop là. Bien que le nombre de morts violentes et brusquement augmente... Hein? Augmenté? Je ne sais plus lire, c'est dur. Au cours des derniers mois, la police de Salem rechigne à faire le lien entre les meurtres. Ces derniers mois ont été durs pour la communauté, a déclaré Ingrid Larsen. La porte-parole de la police, mais tirer des conclusions hâtives à propos des meurtres ou d'un lien éventuel entre eux ne servira à rien. Seul un examen approfondi des preuves nous permettra d'élucider l'affaire. Soyez assurés que l'enquête suit son cours. Ouais, en gros, ils sont aussi incompétents que maintenant. Bon, c'est ça par le mal, hein. Je vais éviter, je vais faire attention à ce que je dis. J'ai pas envie que la police vienne devant chez moi sortir. Je peux pas y aller. Vous ne passerez pas. Là-bas, je suis pas allé. Olé! Hop. On se fait un petit billard? Non, je peux pas prendre la quille. Ah, je peux pas passer par là. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. On va monter alors.
On va monter. Hop là, il y a un petit truc par terre. C'est quoi ces petits trucs? À chaque fois, il y a des petits trucs, je peux rien faire dessus. Oula, il a une tête bizarre. Lui. Il fait peur. Ça, c'est des trucs en 2D, je sais pas à quoi ça sert. Il y en a plein. Tout à l'heure, dans le premier épisode, il y avait des petites filles comme ça. Et là, c'est, il y en a eu deux. Waouh! Bah, c'est les petits signes que je parlais tout à l'heure. Comme quoi, il faut juste attendre. Comment c'est réapparu? J'ai fait quoi? Hé, hey, hé! Hey, reviens! C'est une note. Ne te regarde pas. On dirait une sorte de code, un truc dans le genre. Ouais, je devrais peut-être jeter un œil au quatrième avant que la police emporte l'épreuve. Mais il n'y a que trois étages, arrêtez avec votre quatrième. C'est quoi tout ça? Mais la police, elle verra pas tout ça. Donc là, c'est pour redescendre, on s'en fout. Ces notes, je peux pas regarder les notes, non? C'est que je suis apparu. Bon, par contre, ouais, c'est bien de traverser les murs, mais on s'y perd un peu hein, quand même. Elle mange peut-être trop de sucreries. Ça empêche de dormir, non? What? Parle à qui ça? Parle de qui plutôt? Bon, déjà, toutes les télés ont ça, hein, donc c'est pas. Je peux pas rentrer dans la télé? Peut-être que je peux rentrer dans la télé. Non? Non, bon. Watchmen. Enfin non, pas les super-héros, hein, je parle du film de la bouse avec Franck Dubosc. Oui, parce que c'est nul, ce film est vraiment nul. Hein. On peut pas sortir par là. Alors il y a une porte et une fenêtre là, donc où il y a quelque chose derrière, et je comprends pas pourquoi je peux pas sortir. Ou alors c'est le vide, mais une porte qui mène au vide. Wouah! Les néants de l'internet. N'importe quoi. Ah, un fantôme. Interrogé. Ah, il fait peur. Qu'est-ce que tu fabriques dans le placard? Comment un monstre comme toi se retrouve dans le placard d'une gamine? Son père s'était attiré des ennuis. On m'a envoyé régler l'affaire. C'était simple. Je devais choper les filles, balancer les menaces, prendre l'argent et la relâcher. Et ça a mal tourné. Son père a voulu jouer les héros et s'est interposé. On dirait qu'il a gagné. C'est ça qui l'a tué, si tu veux savoir. C'est toi qui l'as eu. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Les gens pour qui je bossais ne donnent jamais de deuxième chance. Mais je crois que je vais en avoir une quand même. Il suffit d'attendre. Tout le monde finit par mourir. Même les petites filles. What? Il est complètement starbé, ce mec. Du temps. C'est vraiment parce qu'il manque. Pourquoi il veut que la petite elle meure? Elle est où cette petite? Putain, les gens ils sont sales, c'est fou. On dirait ma maison. Là, je suis perdu là. Ouais, ok. Rien d'intéressant. Hein. Beau jeu et prier pour que la fortune vous sourie. La chance n'a rien à voir là-dedans, Evelyne. Que tu crois, mon beau. Et tu ferais bien de t'en souvenir. Oh. Tu compteras des points en pleurant. Ah, qu'est-ce qu'il a comme carte? Tant de chance. Je peux pas voir. Ça nous apprend des trucs, hein. Après, je ne pourrai plus te piquer ton argent de poche. Il n'a que des as. Je ne sais jamais si elle m'aide bien ou si elle est juste gentille. Et elle? Ah non, il a pas que des as. Ah, passe. Tu vas perdre. Je me souviens de quand je croyais encore que le poker était un jeu de hasard. Ouah, c'est quoi cette voix? Ouah, le doublage de fou. C'est une gonzesse, les gars. Faut lui donner une voix de gonzesse. Regardez, il y a... Pas mal comme technique.
C'est quoi ces trucs? Pourquoi je vois la télé en plus comme ça? C'est fou. Il y a plein de trucs que je comprends pas. Hein, dans ce... Ah, il y a un autre mort là-bas. En fait, il y en a plein des morts, c'est fou. Il y en a de partout. Ils regardent tous la même chose sur Internet. Ah, mais c'est pas un mort, c'est encore le... c'est encore les trucs en 2D là que tu peux pas voir d'une autre façon que comment tu le vois. Ok. Bon, on va monter. Oula. Mais c'est quoi ces trucs? Je le sens pas là. Je le sens pas. Je le sens pas, les gars. Je le sens pas. Ouah! Ouah! Ça fait peur! Il m'aspire mon âme. Le fils de. Rends-moi mon âme. What? Une fois que les démons vous auront repéré, ils vous traqueront pour dévorer votre âme. Les démons perdront temporairement votre piste si vous vous cachez dans les résidus d'un fantôme. Passez d'un objet à un autre pour échapper aux démons. Les démons finissent par abandonner la recherche s'ils mettent du temps à vous trouver. Maintenez F appuyé pour voir les démons à travers les murs. Souvenez-vous, la prudence est de mise lorsque vous vous approchez d'un démon. Waouh, il y a des démons et tout, mais c'est fou. Ah, quand je bouge, quand je m'approche, on dirait que... On dirait qu'il me cherche, hein, quand même. Oh là là! Bon, ben, l'épisode se termine, hein, ici. On verra plus tard. En tout cas, je ne savais pas qu'il y avait des démons dans ce truc. Et ben, pour la fin de cet épisode, on va aller voir le petit démon. Il est juste ici. Alors, je vais vous dire à bientôt, hein, si on ne se revoit plus, si je meurs une deuxième fois. N'oubliez pas de vous abonner, un pouce vert si vous aimez, et à bientôt. Il ne m'a pas vu. Salut! Vous pouvez exécuter un démon? Lorsqu'il vous tourne le dos, maintenez R enfoncé tout en... Et on finit sur la mort d'un démon! Vous n'avez pas réussi à exécuter un démon pour essayer de maintenir R enfoncé puis effectuer la manipulation qui s'affiche à l'écran pour l'achever. Et voilà, c'est terminé. Bye bye!